les petits mondes, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, une dernière vidéo spéciale make-up Halloween. Donc premièrement, je vais venir bien hydrater et bien protéger mes lèvres avec un petit baume Clarins, parce que là, je vais mettre du latex directement sur mes lèvres, donc c'est super important. J'ai déjà hydraté ma peau, bien évidemment. Ensuite, je prends du coup du petit latex Riolan que je vais venir mettre sur toute ma bouche et aussi au contour, comme je le fais là, mais vous pouvez faire plus grand, plus petit, comme vous souhaitez. Je vais mettre plusieurs couches et avant que ça sèche, je vais venir mettre un petit peu de coton, vous savez, l'intérieur du coton ou un coton directement, pour venir donner un petit peu plus d'épaisseur et de réalisme au tout. Donc j'en mets pas mal quand même pour que ça soit assez épais et je recouvre le tout d'encore une couche de latex. Je vais venir laisser sécher un petit peu le tout et ensuite je vais prendre des fines lamelles comme ceci de coton que je vais venir encore rajouter par-dessus pour faire un effet un peu bouche fondue, enfin une bouche un petit peu horrible. Et je vais aussi mettre du coup du latex sur chaque petite bande comme ceci et je vais bien laisser surtout la profondeur et aussi entre deux qu'il y ait un petit peu d'espace pour pouvoir colorer par la suite. Une fois que c'est fait, bien évidemment, je laisse bien sécher et on passe à la coloration. Donc je vais bien fondre ma prothèse avec un petit peu de fond de teint, donc la couleur de ma peau tout simplement. Surtout pour que ça se fonde au niveau des bords. Et ensuite je vais passer à la vraie couleur, le côté un petit peu plus horreur. Donc je vais prendre l'Aqua Black qui est un fard noir crème que je vais mettre bien dans l'intérieur vraiment pour donner de la profondeur et du réalisme au tout. Donc je mets ça bien entre chaque petite lamelle et un petit peu sur l'extérieur. Ensuite, je vais continuer la coloration avec un fard gras rouge de chez Make Up For Ever de la palette Effets Spéciaux. Donc je vais venir colorer en fait l'intégralité de ma prothèse en faisant un petit dégradé sur l'extérieur. Je vais ensuite prendre une petite éponge à alvéolée pour donner un petit peu plus de réalisme et colorer un petit peu le contour et du coup camoufler un petit peu les rebords. Et je viens prendre du sang artificiel et je vais en mettre généreusement dans les petits trous, hein, pas au-dessus sinon ça va être moins réaliste. Et je vais aussi laisser bien couler surtout au niveau de mon menton et je vais en rajouter même au niveau de mon cou pour que ça dégouline bien sur mon cou et sur mon décolleté. Et voilà pour le résultat, c'est hyper sanglant, trop gore et très très facile à réaliser. Si t'as apprécié, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner pour suivre toutes les prochaines vidéos. Moi je te souhaite un très très bon Halloween. Je te laisse toutes les vidéos en barre d'infos si tu veux voir différents make-up d'Halloween. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à très bientôt.